Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet hebdo bourse et trading. Nous allons passer en revue un certain nombre d'actions et revenir sur les faits marquants de cette semaine qui a été vraiment extraordinaire. C'est parti. Dans cet hebdo, on va avoir le CAC, on va avoir LVMH, Hermès, Sanofi, Danone, Engie, BNP, JP Morgan, Interactive, Schwab et Iberdrola. Bien évidemment, aucun conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers. Investir en bourse est une activité risquée. Vous le savez, on doit gérer son risque. Bien évidemment, on ne joue pas en bourse, on investit et on pratique cette activité de manière sérieuse. Allez, c'est parti tout de suite pour le CAC. Alors, le CAC va de record en record. Évidemment, ça fait les gros titres dans les journaux. Les journalistes se régalent. C'est excellent pour attiser, exciter à peu près tout le monde. Et généralement, c'est le moment où il faut commencer à se méfier. Mais la question, attention, ce n'est pas parce que ça monte qu'il faut se méfier. Toujours rester froid et lucide. Donc, on a fait des hauts plus hauts et ce que l'on va juste constater, tout simplement, déjà, c'est qu'on avait eu ici, mercredi, avec le CPI aux États-Unis. CPI, je vous rappelle, le chiffre de l'inflation américaine qui pourtant avait été inférieur aux attentes, donc très bon pour la bourse, ça avait été plutôt vendu. Et le CAC nous avait dessiné un doji. Et un doji très spécifique qui s'apparente à un doji pierre tombale ou à une étoile filante avec une longue ombre haute, autrement dit un signal potentiel de baisse puissant, surtout qu'il était réalisé sur des grosses résistances. Résultat, le lendemain, enfin le soir même en l'occurrence, LVMH après clôture nous annonçait des résultats stratosphériques et les futurs s'envolaient en clôture, et le lendemain matin, on ouvrait sur des nouveaux records. On clôturait sur des nouveaux records, et le vendredi, ça s'est poursuivi vers le haut. Attention, on va noter qu'on fait des plus hauts, mais on est vraiment dans des pincements, dans des écrasements de volatilité. Donc, on n'est pas dans une dynamique puissante. Le mouvement haussier est très clair désormais, mais en intraday, on est plutôt dans des amplitudes très faibles. Donc c'est plutôt un signal de force pour le moment, mais ça doit être travaillé pour ceux qui travaillent en intraday de manière très très spécifique. Donc pour le moment, aucun signal de retournement, tout est haussier. Et même, j'avais émis une hypothèse qui semblait folle il y a 3 semaines, lorsqu'on était autour des 7100 points, que le CAC pourrait aller chercher un objectif sur les 7515 points. C'est exactement ce qu'il est venu faire ce vendredi, hier, donc, puisque nous sommes samedi. Et donc, cet objectif qui semblait fou il y a 3 semaines, vu le contexte macro, vu le contexte technique, a été réalisé. Et l'objectif suivant, désormais, est très clair. Le CAC pourrait aller taper les 8000 points dans les semaines à venir. Donc c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut travailler, je dis juste que c'est une possibilité et je vais vous expliquer notamment avec les actions ce que je fais et vous verrez quand même puisque j'ai pu acheter des actions sous les 7000 points, je suis plutôt quand même dans une optique et de serrer les stops et de alléger les positions qui sont ouvertes et après ben, tout ce qui pourra être accompagné sur la hausse actuelle le sera, mais dans tous les cas, ne pas oublier cet objectif potentiel qui semble là aussi absolument dingue, mais voilà, il y est. Alors je ne vais pas vous expliquer là comment est-ce qu'on le fait, mais je l'ai fait hier pour les abonnés, on a pris le temps, et bien évidemment, vu le contexte, etc., et vu la saisonnalité, je vous rappelle que le mois de mai est plutôt un mois où les indices ont plutôt vocation à retrécir, redescendre, je dirais, jusqu'en septembre-octobre. L'idée claire, ben, c'est de surveiller quand même effectivement que le marché ne donne pas des signaux de retournement, mais pour le moment, on ne les a pas. Lorsqu'on les aura, il faudra évidemment agir brutalement. Donc, allez,
Nous allons voir tout de suite les actions et notamment un certain nombre d'actions que j'ai en portefeuille ou que j'avais en portefeuille. Comme ça, les choses seront très claires, comme toujours. Alors, on va commencer par la star de cette semaine. On a même vu, ça devait être jeudi, des actionnaires très enthousiastes envahir les bureaux de LVMH pour aller féliciter son PDG. Mais non, a priori, il n'était pas là, donc il n'a pas pu les accueillir. Mais ça fait plaisir de voir cet enthousiasme chez les actionnaires. Félicitations à eux. Bien évidemment. Alors, on a quoi? Ben, tout simplement, on avait depuis le début de l'année, on était dans une valeur haussière, bien évidemment, mais une valeur qui évoluait dans un range plus qu'étroit, ce range qui a duré près de 3 mois, avec une sortie très claire à ce niveau-là. On va mettre des bornes afin que vous compreniez tout ce que je raconte. Que tout soit parfaitement clair. On a eu ici la cassure, le pullback là. Bon, c'est ce qu'on appelle, évidemment, vous connaissez une inversion de polarité. On était sur une résistance, on est passé sur un niveau support et accélération assez phénoménale. Et si on prend un des autres éléments de l'analyse technique qui est le report d'amplitude, ben, on va constater qu'en 2 séances, un gap ou deux, on va dire 2 gaps, un seul gap d'ailleurs, voilà. On est venu chercher l'objectif de report d'amplitude de ce range que on le calcule sur la zone large. Quoi, voilà, vous voyez, ça se joue à quelques tics près. Mais bon, je dirais que l'objectif a été réalisé, résultat spectaculaire. Je ne vais pas nécessairement revenir sur les résultats, mais la direction a bien marqué le fait que la Chine prenait le relais de manière beaucoup plus puissante que prévu d'une économie américaine qui, elle, était en train toujours en croissance, mais en croissance moindre. Donc, moins de résultats du côté, enfin, moins de croissance rapide pour être clair avec cette société et avec ses résultats. Du côté des États-Unis et plus de croissance ou un renouveau très fort de croissance avec la réouverture chinoise. Donc évidemment, les investisseurs enthousiastes se précipitent, mais techniquement, on dira que l'objectif a été réalisé, l'objectif graphique et avec ce type de gap, dans les prochaines journées, le plus probable reste quand même désormais une nouvelle latéralisation, voire peut-être un retour sur la zone des 830. Dans tous les cas, ce n'est certainement pas le type de configuration que j'achète. Pour moi, c'est trop tard. Je parle pour du court terme, je ne parle pas pour les 3 prochaines années, bien évidemment. Donc, si vous achetez pour les 3 prochaines années, peut-être que c'est un excellent point pour rentrer. Si vous achetez pour les 3 prochaines semaines ou pour les 3 prochains mois, probablement que c'est un peu tard. Dans tous les cas, à titre très personnel, ce n'est pas un niveau sur lequel je peux rentrer. Tout retour vers les 830, par contre, sera à surveiller. Allez, après le luxe LVMH, on passe au luxe Hermès. Alors, Hermès, évidemment, là aussi, c'est stratosphérique. On était sous les 1000 en juin. On est désormais à près de 2000 euros, donc ça a plus que doublé en 10 mois. Et dans un magnifique canal haussier, voilà. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on n'a jamais aucune certitude. Et j'aime bien laisser des traces lorsque je me trompe. Et moi, j'avais un plan. Après cette phase justement de latéralisation qui ressemblait à celle qu'on avait sur LVMH, bien évidemment, mais qui s'était enclenchée plus tard, bah, ce que j'attendais tout simplement, puisqu'on avait bien bloqué sur le haut du canal, bah, j'attendais un retour sur les 1500, 1550, sur le bas du canal, ce qui nous aurait probablement donné l'occasion de surveiller pour rentrer à l'achat sur cette valeur que je n'ai pas en portefeuille.
Et il s'est produit tout à fait l'inverse, puisqu'on est resté bien dans ça, et on a accéléré brutalement, fortement, puisqu'on est passé de 1660 et quelques après à 1985, donc c'est accélération juste colossale, à mode start-up. Alors, résultat sublime, on est bien d'accord, mais donc là, je vais mettre des mais. Les mais, c'est déjà lorsqu'on accélère comme ça, qu'on sort de mouvement ascendant déjà plus que dynamique, puisqu'on est sur un rythme annualisé autour de 120%, donc vous voyez qu'on est quand même sur une pente plus que dynamique, la probabilité que ça continue est quand même relativement faible, pour dire les choses gentiment, et qu'on sort en accélération avec une pente, je vais essayer de vous la signifier, avec où l'on tend vers la verticale et que l'on casse la résistance dans la TLR du canal, que l'on vient faire un pullback dessus, qu'on réaccélère de type 3 soldats blancs, pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais. On est vraiment dans un mode euphorique total. On y ajoutera bien évidemment le fait que on est sur des PER de plus de 50, près de 60 selon comment on le calcule. Donc des PER de 60 étaient, on va dire, acceptables quand les taux étaient négatifs. Des PER de 60 avec des taux à 3, 3,5 bientôt, ça commence à devenir très compliqué. Donc on est dans une période très euphorique. Alors, ne jamais critiquer, ne jamais dire que les marchés sont fous. Lorsque vous entendez, enfin, moi, lorsque j'entends ça, ça m'agace profondément. La caractéristique profonde des marchés, encore une fois, c'est d'être excessif. Donc rien de surprenant dans ces excès. Maintenant, lorsqu'on voit ou lorsqu'on croit voir, ne jamais croire que l'on détient la vérité, c'est pour ça que j'ai bien laissé cet exemple-là où j'indiquais que j'attendais un repli, car j'aime bien montrer que j'ai tort. Moi, ça ne me gêne pas parce que je suis trader et c'est mon job. Là, je suis vraiment dans une accélération forte. Autrement dit, hors de question que j'achète ce niveau-là. Peut-être qu'on ira beaucoup plus haut encore, mais dans tous les cas, j'attendrai un sérieux repli pour envisager de rentrer sur cette valeur. Si j'étais dedans, tout simplement, c'est vraiment le moment de sécuriser avec des stops relativement courts, 1870, 1875, pour coller vraiment à cette accélération. Et effectivement, tant que le gap up que nous avons ici, qui pourrait être un gap final, un gap d'épuisement, ne se referme pas, ça peut pousser. La fermeture de cette zone-là serait probablement le signal. Je ne dis pas d'une baisse, je ne parle pas de crack. Il faut toujours rester mesuré, toujours rester prudent lorsque l'on parle, mais je dis juste une latéralisation plus que probable dans les prochaines semaines, prochains mois. Il va falloir quand même digérer cette hausse plus que colossale que la valeur a connue ces derniers mois. Alors, nous poursuivons avec Sanofi, évidemment, Sanofi, leader pharma en France, avec toutes les problématiques qu'il y a eu autour du Covid. Alors, que s'est-il passé? Alors, moi, c'est une valeur que j'avais eue en portefeuille, que je n'avais plus, et j'ai re-rentré cette valeur de manière agressive. Sur des annonces autour du médicament, c'était le Dupixent, si je me souviens bien. Et donc, je suis rentré à l'ouverture en gap pour profiter du fait tout simplement qu'on était dans une configuration de type double creux et qu'on s'en extrayait avec un gap. Voilà, donc je suis rentré là, je suis encore dedans, bien évidemment, mais désormais on se rapproche des sommets. Voilà. Et on commence à latéraliser, on commence à mettre pas mal d'ombres hautes, alors on a vu que les indices allaient plus haut, mais attention, que si le CAC, je vais y arriver, si le CAC est
aller plus haut, c'est essentiellement grâce à LVMH jeudi et grâce aux financières vendredi. Autrement dit, le reste de la cote sur le CAC n'a pas nécessairement profité. Ça aussi, ça peut être un semblant d'alerte, à moins qu'il y ait des rotations sectorielles et que tous les jours, on trouve de nouveaux secteurs pour aller pousser l'indice plus haut. Mais donc, on se rapproche de ce sommet-là, on commence à faire des ombres hautes. Donc, ça veut dire que tout simplement, je vais commencer à remonter mon stop et je vais tout simplement aller placer mon stop assez serré, ce qui ferait un gain de 5-6%, rien de significatif, mais bon, c'est mieux que rien en quelques semaines. Légèrement sous les 100. Si jamais j'avais un test des 103-104, là aussi, probablement surveiller pour encaisser au moins la moitié de la position qui a été ouverte sur ce gap. Donc, toujours positif, mais je suis en mode de méfiance générale et il est temps pour moi de sécuriser les positions qui sont ouvertes, tout simplement. Alors, on en arrive maintenant à Danone. Alors ça, Danone, c'est une action qui est devenue ma chouchoute de cette année. Pourquoi? Alors, ça faisait très longtemps que je la surveillais, ça faisait très 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 longtemps que je la surveillais. Elle nous offrait tout un tas de signaux qui ne se déclenchaient jamais et ça bloquait systématiquement sur cette zone entre 56 et 57 €. Puis ensuite, lorsque tout était rouge, bien évidemment, il était hors de question que je rentre puisque je respecte mes indicateurs qui marchent tellement bien que je ne vois pas pourquoi je les respecterais pas. Et puis, on a eu cette longue zone très très longue que vous voyez bien ici, que je vais vous redessiner pour que les choses soient bien claires. Ici. Qui était quand même un double creux d'école avec une sortie assez claire à ce niveau-là. Voilà. Et donc j'avais dû faire, sans erreur, j'avais dû faire une interview à la télé sur le sujet et c'était juste avant les résultats, justement parce que ça c'est le jour des résultats en février. Et j'indiquais que je passais positif pour la première fois depuis plusieurs trimestres et que vraiment j'étais sur une valeur qui me donnait un sentiment d'accumulation, de possibilité d'explosion donc haussière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été le cas pour une valeur quand même qui, on va dire, on n'est pas sur la tech, on n'est pas sur le luxe, on est plutôt sur une valeur qui a été sujet à polémique avec son ancien PDG, bref. Et donc, c'est une valeur sur laquelle je suis rentré, personne n'en voulait, tout le monde me disait, à chaque fois que j'en parlais, surtout pas, il ne faut pas y toucher. Ben voilà. Donc, je suis dedans, c'est une valeur. Alors, j'ai hésité, j'avais sécurisé sur cette zone-là parce que franchement, là aussi, je n'aurais jamais cru que cette zone 56-57 pète comme un bouchon de champagne. Voilà. Ça a été le cas. Désormais, il y a eu quand même là aussi plusieurs hésitations. C'est logique, on était sur une action qui surperformait largement les autres valeurs de l'indice. Et maintenant, on est quand même sur une phase de stabilisation. Alors là, on est un petit peu sauvé, je dirais, jeudi avec le marteau qui a été dessiné, vendredi un chandelier tout petit peu toupie. Bon, très clairement, ne plus revenir sous les 58, car sinon, fort probable de venir tester cette zone 56-57. Donc l'idée, ça va être de solder une moitié de position, puis de sécuriser le reste, puisque évidemment on peut avoir des objectifs aussi largement supérieurs. J'en reparlerai, mais dans tous les cas, le chemin a été fait, encaisser une moitié et sécuriser le restant est pour moi une obligation, même si je reste désormais positif sur le titre, tant qu'elle évolue au-dessus des 56. Allez, zone suivante, NJ. Alors, NJ, j'avais placé un ordre à l'achat sur repli.
Au milieu de ce canal, aux alentours des 13,5, c'était un ordre qui a été exécuté automatiquement parce que je l'avais placé alors que la valeur avait fait, alors que l'action avait fait ce gap up. Voilà. Les soldés ce vendredi, là aussi, bon, gain relativement correct, en quelques jours, plus de 10%. 12% et quelques. Sans aucun stress, c'est pourquoi est-ce que je sors? Ben, tout simplement parce que si vous regardez, on est inscrit, la valeur plutôt, l'action est inscrite dans un canal aussi, alors moins clair que celui qu'on a vu avec Hermès, mais quand même relativement propre. Et désormais, on est quand même très proche de ce niveau-là. Voilà. C'est une valeur sur laquelle on peut se poser tout un tas de questions parce qu'elle a largement surperformé, mais là maintenant on voit là aussi qu'il y a des ombres hautes sur Chandelier et vendredi. Au vu de la sous-performance manifeste de cette action par rapport à un marché qui se tenait bien, ben, j'ai décidé de la solder tout simplement. Après, encore une fois, ben c'est le marché qui me dira si j'ai tort ou si j'ai eu raison. Maintenant, c'est vraiment une opération de court terme que je fais. Vous avez compris que tant qu'elle va rester dans ce canal, dans cette dynamique, donc tout repli dans les prochaines séances vers le milieu du canal, ben, fera que je regarderai à nouveau cette valeur, plus que probablement dans une optique de trading pour le moment. Alors, la BNP, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai fait un tweet sur le sujet ben, hier, en cours, avant la conférence hebdo avec les abonnés. Ben, je disais quoi? Je disais tout simplement que l'action était en train d'accélérer. C'était bien évidemment suite, puisqu'elle a fini en hausse de 3,22%. C'était bien évidemment suite aux les bancaires américaines qui ont été plus que positives et évidemment très bien reçues par les investisseurs. Et on est quand même sur un chandelier de type Marobozu, très propre, qui est le plus grand chandelier depuis la reprise du soulagement, on dira krach Crédit Suisse, lorsqu'il y a eu, si vous vous souvenez, le 20 mars, c'est là où il y a eu toutes les problématiques autour des obligations, voilà, bref, et c'est là où voilà. Moi, j'en avais profité pour prendre des bancaires ce matin-là de manière très agressive, là aussi. Et là, désormais, on a une accélération. On est sur 62% de retracement de cette zone. On est sur une inversion de polarité, puisqu'on était bien ici sur, on est bien ici sur une zone clé, vous voyez, autour des 59, 59, 50, puisqu'on avait bien des zones résistance, des zones support. Des zones support avant que ça recraque et on revient dessus. Donc évidemment un flow, un news flow très positif sur les financières avec les résultats aux États-Unis, à voir les résultats des entreprises, des financières et des banques françaises les prochains jours. C'est à surveiller, mais très clairement on est sur un niveau clé et l'on ajoutera bien évidemment que l'on est en train de sortir du nuage. Nuage qui est en train de se retrécir. Bref, peut-être qu'on est en train de tout retourner. Et lorsque je vous parlais des indices mais qui pourraient aller beaucoup plus haut que les niveaux actuels, bah, typiquement, il faudrait vraiment que les financières reviennent sur leur plus haut. Je restais relativement méfiant jusqu'à présent sur les indices, en dépit de ces objectifs potentiels. Notamment sur le CAC, sur les 7515 dont je vous parlais tout à l'heure, puisque quoi? Puisque tout simplement, ben, on avait bien des valeurs qui faisaient des hauts plus hauts, mais on avait bien les financières qui bloquaient sous les 50%. Désormais, effectivement, si les financières referment le gap et vont retester les hauts, ben, tout est rebattu et probablement que ça va rebooster. Les indices, donc, c'est à surveiller, c'est une zone clé, aucun conseil, je ne sais pas ce qui va se passer
La seule chose que je sais, c'est qu'on est sur une zone clé. Si ça casse, ça veut dire que les 67 vont être en ligne de mire. Si ça bloque là, ça veut dire que potentiellement, on va réintégrer le nuage et que, donc, au contraire, on aura un signal baissier. Donc, c'est juste pour moi à surveiller très attentivement. Ce qui est déjà pas mal. Alors, on arrive maintenant à JP Morgan Chase. Alors, JP, ok, stress SVB Silicon Valley Bank. Et voilà, vous voyez, on est en train de réintégrer. Alors, est-ce qu'on a vraiment réintégré? Ben, là aussi, alors c'est mieux que la BNP, mais je dirais, on pourrait pratiquement dire qu'on est en train de travailler cette zone qui potentiellement pourrait être une zone de pullback. Ben, la problématique, c'est que lorsque tu fais un gap aussi puissant et que derrière ce gap, tu as un chandelier aussi puissant, donc on n'est pas sur un gap avec un doji ou avec une toupie, on est un gap plus un marabouzou, on est quand même sur un signal très puissant. Donc, probabilité de retrouver les hauts. Très clairement, les investisseurs jouent la fin de la crise financière. De là à croire que les injections de liquidités de la réserve fédérale, puisqu'on sait bien que le bilan de la Fed a à nouveau regrossi, donc on n'est plus dans du QT, on est dans du QE, mais qui n'est pas du véritable QE. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, bref. Les investisseurs tentent d'acter clairement. Nos problèmes, il n'existe aucun souci financier. Bon. Bien, les investisseurs jouent ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on ne va pas découvrir que dans des petits recoins, il y a des petits problèmes techniques. Hein. Petit rappel historique pour ceux qui n'étaient pas là en 2007-2008. Août 2007, une grande banque française. Explique qu'elle doit fermer ses fonds parce qu'elle a des problématiques de liquidité. Je ne la citerai pas, mais il suffit de chercher sur Internet et vous la trouverez rapidement. Mars 2008, Bear Stearns fond les plombs, il est racheté. Et le 15 septembre, Lehman. Vous voyez, il y a. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une grosse banque qui va faire faillite. Ce que je veux vous dire, c'est que le temps des marchés, le temps de l'économie et le temps de la finance sont trois temps différents. Et en tant que trader, on doit toujours surfer sur ces différents temps, différentes temporalités, surtout si on intervient en day trading, en investissement, en swing trading, parce que ben, ça peut être haussier court terme, haussier en moyen terme, range à long terme et à très long terme, peut-être que voilà. Donc, c'est pour ça que la bourse est aussi passionnante et c'est pour ça que si vous êtes sur les marchés, j'imagine que vous êtes comme moi, que vous vous régalez à travailler. Donc, alors là, je reviens sur une valeur moi, qui m'intéresse beaucoup, Interactive Broker, bien évidemment. Certains, peut-être, sont aussi très intéressés, donc c'est une valeur qui vaut mieux la surveiller, on va dire. Et là aussi, de manière claire, on a eu, c'était, alors pour que les choses soient très fortes, j'étais haussier sur cette valeur. J'avais fait aussi une analyse à la télé de mémoire lorsqu'elle était autour des 60, mais pour des objectifs à 72. Ensuite, on avait eu un retracement en ABC et l'explosion très claire, donc une vague de 5. Hein, voilà, là on était sur une 5. On a une correction qui peut s'apparenter à une A pour ceux qui connaissent. Après, je ne vais pas vous ennuyer avec tout, avec trop de termes techniques. Et on a eu ici donc trois corbeaux baissiers. Donc trois corbeaux baissiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faudrait que je vous mette des trucs à l'écran pour que vous le compreniez. C'est une configuration, un chandelier japonais qui marque potentiellement une fin de mouvement haussier et le début d'un mouvement baissier. Donc, lorsque vous avez trois corbeaux, que derrière l'on rebondit
et que derrière, on rebondit dans mon nuage, qui est vraiment une des configurations que je préfère, c'est-à-dire ces pullbacks en inversion de polarité, avec un avalement, donc que la hausse décolle. Ça, c'est normalement un signal baissier très puissant. Et lorsque ce signal baissier très puissant ne génère que 5-6% de baisse, que derrière on reteste sans clôturer, qu'on fait une étoile du soir et que désormais on reteste cette zone, alors on peut toujours être dans une, désolé pour ceux qui ne sont pas fans de ces termes-là, dans une B corrective avant une C à venir, mais attention, on est là désormais à la limite d'un retournement haussier de cette valeur, alors que pour le moment, elle nous avait envoyé ici, autour du nuage et autour de l'inversion de polarité, deux signaux baissiers. Et ça, avoir des signaux baissiers qui sont invalidés, ben c'est toujours une configuration plutôt haussière. Surtout que ces signaux-là, je les adore, ils marchent très très bien. Le nuage est un outil extraordinaire à ce niveau-là, donc le nuage BSI, hein, ne surtout pas confondre avec notre nuage que certains utilisent. Enfin voilà, donc je surveille ça, c'est plutôt positif évidemment parce que ça veut dire que tout va bien. Et là aussi, si jamais on allait clôturer au-delà des 84,50 dans les prochaines journées, que l'on refermait le gap évidemment, ça veut dire que la situation vraiment se détend, que le stress disparaît, et là aussi ça offre un potentiel pour les indices, mais attention, exactement comme avec la BNP, je surveille. Je dis juste que la baisse n'a pas été déclenchée fortement, du moins par deux signaux baissiers. La suite, ça reste à surveiller. Allez, nous allons voir par contre Schwab. Alors, Charles Schwab, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que vous connaissez quand même, c'est un courtier américain, et alors là, on va voir que la musique n'est pas la même que chez JP ou que chez Interactive ou que chez BlackRock Co. Autrement dit, ben là, on reste proche des bas et on sait qu'il y a eu des problèmes. Enfin, on sait, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a eu des problématiques de liquidité chez ce courtier et donc les investisseurs s'en méfient. Notre job de trader, notre job d'investisseur, c'est toujours de rechercher là où peut être la faille. Et pour moi, Schwab, ça fait 3 semaines que j'ai le nez sur cette action. Et pour être clair, tant que celle-là ne rebondira pas fortement, ça veut dire qu'il reste des inquiétudes au moins sur celle-là. Voilà, donc c'est à surveiller. Et très clairement, vous voyez que même hier, dans un contexte où toutes les financières ont fortement grimpé, parce que moi j'ai une liste de valeurs US que je surveille, les 7 premières sont des, enfin, sur les 10 premières valeurs, il y a en hausse, je vais y arriver, il y a 7 financières. Et Schwab, ben, il est en baisse de plus de 1%. Donc, surveillance, c'est baissier, évidemment, je n'achète surtout pas ça. Évidemment, ce n'est pas autorisé, ça vous le savez si vous êtes là, parce que le convergence est rouge, acheter n'est surtout pas une option, et surveiller qu'il n'y ait pas une dégradation dans les prochaines journées de cette valeur. Allez, et on finira avec Iberdrola. Je ne sais pas si vous connaissez Iber. Évidemment, c'est... Ça, c'est une des actions que j'aurais dû acheter, que je n'ai pas acheté, donc je vous le dis, parce que j'achète, voilà. Je la surveillais, je la surveillais, je la surveillais, je la surveillais, parce que vraiment, pour moi, elle avait une configuration de folie, et je voulais rentrer sur cette zone-là, mais je fais du day trading, du scalping, du swing trading, je fais beaucoup de choses, et des actions sur plusieurs comptes. Ben, du coup, il y a des fois où je vois des choses et je les rentre pas. Si je place pas les ordres
à l'avance, il y a des fois sur la journée. Bon. Bref, je n'y suis pas allé, j'aurais pu re-rentrer sur la cassure de cette zone comme je l'ai fait avec d'autres, par exemple. Je pense à Thalès, par exemple, que j'ai commenté plusieurs fois aussi. Bref, j'y suis pas rentré, elle a poussé d'une dizaine de pourcents, et surtout, ce qui m'intéresse désormais, on va dire que ça sera aujourd'hui une spéciale chandelier japonais. J'espère que vous aimez ça, sinon vous êtes, qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Nous avons là un sommet en tour d'école que je vais conserver pour mon prochain livre, pour les sommets en tour, et on verra bien le résultat. Attention, sommet en tour ne veut pas dire que le marché se crache. Pour le moment, la tendance reste haussière. La tendance de fond reste haussière. Il y a juste un mouvement de court terme en chandelier japonais qui indique que la tendance est potentiellement en train de s'arrêter. Momentum en train de ralentir. Et donc ensuite, voir si on a une accélération ou si l'on a juste une latéralisation. Mais dans tous les cas, ce qui pourrait être intéressant à surveiller, bien évidemment, c'est un retour sur cette zone-là, autour des 11, ça ferait une baisse de moins de 5%. Et potentiellement, ici, surveiller une inversion de polarité si on avait des signaux à l'achat sur cette zone, ben, sinon la zone suivante. Mais bon, on est sur une valeur qui est vraiment dans une dynamique très intéressante. Et là, à court terme, potentiellement, on est sur un arrêt. C'est à surveiller. Si je l'avais eu, probablement, je ne l'ai pas, donc, mais sur ce type de signal, en cours de journée, je solde tout partie de la position. Voilà. Sur ce, bon, si cette vidéo vous a plu, ben, vous likez, vous partagez, surtout. Commentez, donnez-moi vos idées sur les actions, commentez ce que j'ai pu raconter sur les actions les unes et les autres. Et si vous voulez que je vous en fasse d'autres pour la semaine prochaine, ben vous n'hésitez pas, indiquez-moi sous les commentaires de la vidéo les actions que vous voulez, ou alors vous m'écrivez sur le site TWINVEST, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je compte sur vous pour me motivé à vous faire de nombreuses vidéos de ce type. J'ai vos noms, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao!